Bon matin, Église, comment ça va? Est-ce que je peux entendre un gloire à Jésus? Ce matin, nous commençons une nouvelle série de prédications, de cinq messages qui se nomment « Recentrer le mariage ». Hum. Vous savez, comme ta voiture, quelquefois, tu dois faire un alignement. Euh, la parole de Dieu parle beaucoup du mariage, le couple, c'est libre, bon, on va en parler. Hein? C'est important de s'arrêter... Et de s'assurer que notre vision du mariage est biblique, qu'elle soit bien alignée, qu'elle soit centrée sur Jésus. Amen. Donc, cinq prédications qui vont culminer avec notre conférence des couples qui va avoir lieu dans un mois. Donc, sans plus tarder, le titre de ma prédication, c'est Le mariage selon Jésus. Mariage selon Jésus. Si tu as une Bible, ouvre avec moi dans Matthieu 19, versets 1 à 12. Donc, le mariage selon Jésus, qu'est-ce que Jésus dit du mariage? Vous savez, on entend plusieurs choses sur le mariage. Qu'est-ce que Jésus dit du mariage? Donc, voici ce que dit la parole de Dieu, Matthieu 19, le verset 1. Lorsque Jésus eut achevé ses discours, il partit de la Galilée et se rendit aux confins de la Judée, au-delà du Jourdain. De grandes foules le suivirent et là, il les guérit. Verset 3. Les pharisiens, donc les religieux, l'abordèrent et dirent pour l'éprouver est-il permis à un homme de répudier, donc de divorcer, c'est un synonyme, donc est-il permis à un homme de répudier sa femme pour n'importe quel motif? Il répondit, n'avez-vous pas lu que le Créateur au commencement fit l'homme et la femme et qu'il dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Ainsi ne sont plus deux mais une seule chair, que l'homme ne sépare donc pas ce que Dieu a uni. Pourquoi donc, lui dire-t-il? Donc, il répond, Moïse a-t-il commandé de donner à la femme un acte de divorce et de la répudier? Jésus lui dit, c'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a permis de répudier et de divorcer vos femmes. Au commencement, il n'en était pas ainsi. Mais je vous dis, quiconque divorce sa femme, sauf pour infidélité, en épouse un autre, et en épouse un autre comme un adultère. Ses disciples lui dirent, si telle est la responsabilité de l'homme à l'égard de la femme, il n'est pas avantageux de se marier. Bravo les gars, vous avez compris quelque chose? Si le mariage était facile, tout le monde le ferait. Non. Jésus leur répondit, tous ne comprennent pas cette parole. C'est pas tout le monde qui va comprendre la prédication de ce matin. Pas tout le monde qui va accepter la prédication de ce, marin, de ce matin. Tous ne comprennent pas cette parole, mais seulement ceux à qui cela est donné, car il y a des eunuques qui le sont dès le sein de leur mère, il y en a qui le sont devenus par la main des hommes, il y en a qui, sont, qui sont rendus eunuques à cause du royaume des cieux, que celui qui peut comprendre comprenne. Amen, c'est la parole de Dieu. Donc, qu'est-ce que Jésus dit sur le mariage? Premièrement, on vient à Jésus et la Bible nous dit que les religieux viennent pour le tester. En fait, il y a une poigne. En fait, il y a deux poignes. Comment est-ce qu'on dit pogne en français? Pogne. pogne. OK. La première pogne, la Bible nous dit dans quel territoire qu'il est. Jésus, dans le territoire, il est sous la juridiction de Hérode Antipas. Ce Hérode-là, c'est lui qui a, coupé la, qui a fait couper la tête de Jean-Baptiste. Pourquoi? Parce que Jean-Baptiste l'a confronté à la lumière de la parole de Dieu parce que ce Hérode-là a divorcé et a marié sa belle-sœur. Et c'est justement lors d'un événement où c'est sa nièce qui va danser. Il y a plein d'affaires qui ne marchent pas dans l'histoire. Et Jean-Baptiste va le confronter à la lumière de la parole de Dieu et Hérode va lui faire couper la tête. Maintenant, les religieux veulent piéger Jésus en lui disant Toi, t'en dis quoi Jésus ne tombe pas dans le piège. Le deuxième piège, c'est qu'à l'époque, il y a un débat. Donc, dans le peuple de Dieu, il y a un débat, il y a deux écoles, et il y a beaucoup, beaucoup de divorces à l'époque. Et l'école, la croyance prédominante, c'est que tu peux divorcer ta femme pour n'importe quel motif. D'ailleurs, même dans la loi juive, c'était écrit que si ta femme fait brûler ton souper, tu as le droit de divorcer. Puis, tu avais un autre gang qui disait Oui, oh, savez-vous quoi, la lumière de la parole de Dieu, peut-être que ça prend des motifs plus sérieux. Et là, on vient à Jésus, puis on lui pose la question, et regardez ce que Jésus fait. Jésus ne répond pas à la question du divorce, Jésus revient au fondement du mariage. Jésus va citer la parole de Dieu. Donc, dans l'état voulu de Dieu, il va citer Genèse 1, le verset 27. Au commencement, Dieu créa l'homme et la femme. Et ensuite, il va citer Genèse 2, 24 en disant Voici ce que Dieu dit L'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Et là, les religieux vont répondre en lui disant Mais comment ça se fait que Moïse, donc dans l'Ancien Testament, il nous a donné une loi, un commandement pour divorcer nos femmes Et Jésus dit Qu'est-ce euh, que c'est -ce? Bon, il ne dit pas comme ça, mais Jésus dit, c'est pas ça que Moïse Moïse n'a pas de commandement. Il a pas de commander de divorcer vos femmes. Il y a une stipulation, il y a une provision de grâce dans la loi. Si un divorce arrive, ben, tu ne le feras pas de n'importe quelle manière. Il faut qu'il y ait un motif sérieux. Vous savez, dans les lieux publics, il y a des bonbonnes avec des, des vitres autour. C'est écrit En cas de feu, brisez la vitre. Tu as déjà vu ça? OK, imagine que tu brises la vitre. Les pompiers arrivent. Ben, c'est écrit que c'est un commandement, brisez la vitre. non en cas de feu. La Bible ne commande pas le divorce, elle dit dans ce monde pécheur où il va y avoir des divorces, ça arrive, voici comment ça devrait se passer. Et Jésus va dire, en fait, ce que Jésus va dénoncer avec grâce, il dit, il y a trop de divorces illégitimes dans le peuple de Dieu. Et c'est là qu'il va dire que la seule raison légitime, c'est lorsqu'il y a adultère. Maintenant, ce n'est pas parce qu'il y a adultère qu'il doit avoir divorce. Mais Jésus dit, ça c'est un, une provision légitime. Et après, il va parler du remariage. Maintenant, ok, parenthèse, le titre, le thème de ma prédication ce matin, ce n'est pas le divorce, c'est le remariage. Et je sais que tu fais comme les religieux, c'est ça que tu veux savoir. Moi, je fais comme Jésus, je vais d'abord prêcher le mariage. Tout le monde dit amen. amen. Mon pasteur est comme Jésus. Non, on ne dit pas amen, ok. Et dans, les, dans le christianisme, il y a trois écoles sur le remariage. Il y a des gens qui disent que dès qu'un divorce, l'Église peut remarier tout le monde. À l'autre extrême, y a des gens qui disent qu'il peut y avoir des divorces légitimes, mais il n'y aura jamais de remariage. Donc, il y a des gens qui disent qu'un remariage est toujours mal. Et dans le milieu, il y a des gens qui disent que lorsqu'il y a un divorce légitime, ça donne accès à un remariage légitime. Maintenant, à un moment donné, au portail, on va en parler, il y aura une série là-dessus, du moins une prédication. juste dire qu'au portail, notre position, c'est qu'on remarie des gens, mais on ne remarie pas tout le monde. Donc, je reviens. Alors que les religieux posent une question sur le divorce, Jésus recentre leur vision du mariage afin qu'ils aient une vision biblique. Vous savez souvent, et les religieux et nous, on veut savoir quoi faire, on veut plutôt gérer l'échec qu'apprendre à bien faire les choses. Vous savez, c'est comme si tu as un cours de conduite, dans ton premier cours, tu sais, on apprends comme OK au début tu arrives une voiture, tu mets la clé, tu mets ta ceinture, en fait tu mets ta ceinture, tu mets la clé. Là, tu dis "Ouais ouais, mais il arrive quoi si j'ai un accident Alors, Attends une minute. Oui, mais arrive quoi? C'est quoi les constats à l'amiable? Ok, c'est quoi? Est-ce que j'appelle mes assurances? Là, que... on va dire, avant de gérer l'accident, apprends à conduire. Avant de gérer le divorce, apprenons sur le mariage. La première réunion, ils ont dit, oh Amen, mais c'est correct, c'est correct, ok. Donc, c'est ce qu'on va voir ensemble. Donc, dans cet enseignement-là, Jésus enseigne des choses très importantes. Et la première chose, c'est intéressant, Jésus termine son enseignement sur le mariage en parlant des célibataires. Est-ce qu'il y a des célibataires ici? OK, redites-le pour que les autres célibataires vous spotent. Est-ce qu'il y a des célibataires? <laughs> il y a même du monde motivé. Donc, Jésus termine en parlant des eunuques. Les eunuques qui étaient les, les, les gens, les, les célibataires, on pourrait le dire comme ça dans les palais. Puis il va dire qu'il y a trois types de célibataires. Et mon premier point, le mariage n'est pas supérieur au célibat. Être marié n'est pas un statut supérieur au célibat. Le mariage ne sauve pas. Le mariage ne rend pas heureux. Le mariage ne te donne pas ce que Jésus seul peut te donner. Donc, première chose, okay, je, je veux le dire à nos célibataires, parce qu'on en a beaucoup. Et à la lumière de ce que je vous enseigne, il y a trois types de célibataires. Dire, il y a des célibataires qui sont des de leur mère, c'est-à-dire... Il y a des gens qui sont. Qui sont leur, ils sont appelés, on dirait. Paul parle du don de célibat. Il y a des gens ici, tu es célibataire et tu dis je prie pour ne pas avoir ce don Ah, hein, déjà, tu es célibataire, mais tu ne veux pas le don du célibat. Bonne nouvelle, si tu ne veux pas ce don, c'est que probablement que tu pas appelé à être célibataire. Ah, hein, le don de célibat, c'est comme le don de faire la vaisselle. J'en veux pas. Donc, mais il y a des gens ici. Tu as passé ta vie seule et tu es bien. Puis t'aimes ça, faire la vaisselle seule. Il y a des gens ici, on connaît, on a des frères et des sœurs qui sont bien seuls. Donc, il y a des célibataires par appel. Il y a des célibataires involontaires. Il y a des gens présentement, tu es célibataire et ça ne fait pas ton affaire. <laughs> tu es célibataire en attente. Tu célibataire, pas par choix, parce que le bon ou la bonne n'est pas arrivé. C'était ton cas de Amen ». OK, il y en a deux. OK. Donc, c'est important de prendre cette période à toi qui est un célibataire temporaire et qui aspire à, te, à être en couple, à te marier. C'est important d'utiliser cette période pour mettre les bons fondements. Si Jésus n'est pas le centre de ta vie, il ne sera jamais le centre de ton couple. Donc, c'est une bonne période. Et il y en a d'autres. Jésus va dire, ils sont uniques à cause du Royaume. C'est-à-dire, tu es célibataire par choix. On a par exemple, on a des frères et des sœurs, des es, veufs. Tu sais -tu quoi? J'ai déjà donné, je ne veux pas me remarier. Il y a des gens comme ça. Il y a des gens qui sont divorcés. Je connais des gens, par exemple, qui ont divorcé et ont dit, tu sais -tu quoi? Moi, par choix, pour plein de raisons, je reste dans cet état-là. Il y a des gens, on connaît tous des histoires de, 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 de sœurs missionnaires qui, qui, sont, qui prennent soin des enfants dans l'orphelinat, qui passent une vie de célibat pour la mission, pour le ministère, par choix, pour le royaume. C'est ce que Jésus dit. Il y en a d'autres qui ont des enjeux d'identité sexuelle qui viennent à Jésus. Il se dit c'est quoi Je vais vivre dans l'abstinence, peut-être temporairement ou à long peu importe. Je vais porter ma croix. Donc par choix une décision qui est prise. Mais est-ce que j'ai que c'est qui Il parle du mariage et il termine avec les célibataires parce qu'un célibataire est pas un moitié, pas une moitié de chrétien. Hein? souvent on voit on est les célibataire puis on s'imagine qu'on est comme un, un, un casse-tête qui nous manque un, un morceau de puzzle que l'autre va compléter. Aucune personne ne peut te compléter parfaitement. Okay? Et je sais même dans la culture, on le dit, et ce que je dis là, je ne le dis pas comme le chante Miley Cyrus. Vous connaissez la chanson Flowers? Okay, pour ceux qui ne savent pas, elle chante une chanson, c'est comme, elle dit, j'ai besoin de personne, la madame a vécu une séparation. Elle a dit euh, Je n'ai pas besoin de toi, je peux m'envoyer des fleurs moi-même, euh, je peux me parler pendant des heures des choses que tu ne comprendrais pas, je peux écrire moi-même mon nom sur le sable, je peux m'emmener danser. La madame souffre, OK, la madame souffre. <laughs> J'ai besoin de personne, je m'autosuffis, ce n'est pas ça que je dis. Je dis simplement que ce qui te manque, ce n'est pas un homme ou une femme qui peut le combler, c'est Jésus seul. En lui, tu as tout pleinement. Ça, c'est la première chose. Et juste rappeler, on aura une prédication d'ailleurs pour les, les, le célibat. Juste rappeler hein, que les deux figures marquantes du christianisme étaient célibataires. L'apôtre Paul, est-ce que l'apôtre Paul est un chrétien accompli? Tu peux être célibataire et être un chrétien accompli. Jésus était célibataire. Jésus est l'homme parfait. Donc, si tu es célibataire, tu as le droit de dire à quelqu'un en couple à côté de toi Je suis plus comme Jésus. Ok, première chose. Deuxièmement, voici ce que Jésus dit. Verset 4. Alors qu'il parle du mariage, il dit que le, le mariage a été donné par M. Trudeau. <laughs> par François Legault. Non. La chose, la première chose que Jésus dit sur le mariage, le mariage est une institution donnée par Dieu. Le mariage a été créé par Dieu. Le mariage est la patente de Dieu. Le Dieu a le brevet sur le mariage parce qu'il est l'inventeur du mariage. Si tu veux savoir c'est quoi un mariage, tu ne demandes pas à la culture, tu ne demandes pas, ce n'est pas le gouvernement qui dit c'est quoi un mariage, ce n'est pas un sondage. Avec respect, ce que tu penses du mariage, ça nous importe peu. Ce qu'on veut savoir, c'est qu'est-ce que Jésus dit du mariage. Donc, le mariage est une institution donnée par Dieu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que alors qu'on regarde au mariage, on doit aller au mode d'emploi, on doit regarder au manuel du fabricant. Maintenant, ce que je t'enseigne dans cette série, c'est ce que la parole de Dieu enseigne. Je ne t'enseigne pas ce qui est populaire, je ne t'enseigne pas ce qu'on enseigne à l'université. Ma prétention, je crois en tant que peuple de Dieu, ce que tu veux, tu veux savoir qu'est-ce que Jésus dit du mariage. Merci pour deux personnes qui hum » et les autres qui ne s'assument pas. Ça implique que je vais probablement offenser tout le monde ce matin. Pourquoi? Parce qu'on est tellement contaminé par la vision culturelle qu'il y a des choses que Jésus dit qui sont très simples, qu'on ne comprend pas. Et c'est important de comprendre ce que Jésus dit. Donc, on va regarder la parole de Dieu. Et c'est ce que Jésus fait. Jésus retourne à la parole de Dieu pour expliquer le mariage. Donc, ceux qui veulent regarder la parole de Dieu disent Amen. Amen. OK. Et c'est là que je prends une gorgée d'eau. Jésus dit Voici le mariage commence. Au commencement, Dieu créa l'homme et la femme, et là il y a une union. Et là reste. Donne-moi trois minutes avant de quitter, s'il te plaît. Jésus définit le mariage comme une union hétérosexuelle monogame. Okay, reste avec moi. Okay, puis je sais qu'il y a du monde qui. Déjà j'entends les courriels rentrer. Qu'est-ce que Jésus veut dire Une union hétérosexuelle, ok Qu'est-ce qu'il veut dire Est-ce que Jésus est intolérant Est-ce que Jésus n'est pas assez inclusif Ok. En fait, si je contextualise, vous savez souvent on va dire que l'hétéronormativité, c'est-à-dire le standard du couple hétérosexuel, on dit dans notre culture, c'est la base de l'idéologie, c'est que c'est une construction sociale. En fait, ce que Jésus dit, c'est que l'hétéronormativité n'est pas une construction sociale, mais une réalité biologique reflétant une intention divine. Est-ce que tu as pris ton café? OK. Puis là, je vais voir, tu vois que Jésus n'est pas intolérant du tout. Jésus n'est pas homophobe. Jésus, est comme, il y a, Jésus dit quelque chose de très, très simple, qui est comme évident. Donc, Jésus dit c'est pas une, le couple hétérosexuel, c'est pas une construction sociale idéologique pour opprimer des gens. Non. À la base, c'est une réalité biologique. Et cette réalité biologique reflète une intention divine. Pourquoi les chrétiens ne croient pas que le monde est le produit de l'évolution? On croit que Dieu a créé le monde avec une intention. Ça veut dire quoi? Ok, pourquoi Jésus n'est pas, pas homophobe ou peu importe, il n'est pas intolérant? Ok, peu importe ici, notre orientation sexuelle, notre identité sexuelle, 100% des gens qui sont devant moi sont issus de l'union d'un homme et d'une femme. À la base, c'est juste ça que Jésus dit. Donc, souvent, on, on dit, ah, oh, le christianisme, est intolérant. Non, 100% des gens, disent, « non, mais moi, j'étais un bébé éprouvette. Ok, faisons un pas de recul. Il y avait quoi dans l'éprouvette? Il y avait un ovule, puis un spermatozoïde. Donc, 100 des gens qui marchent sur la terre sont le produit. Et Jésus dit ça, ce n'est pas un hasard, il y a une intention divine, le complémentarisme. Donc, il dit également, alors que tous les hétérosexuels de l'Église ont dit Amen, preach it, pasteur, votre tour arrive. Il dit que le mariage, on parle du mariage, là, okay, il peut y avoir toutes sortes de couples, mais on parle du mariage, est une union hétérosexuelle monogame. -no pas dit monotone, monogame. La Bible enseigne que Dieu a donné le sexe à l'humanité. Le sexe est une bénédiction de Dieu. Tu as le droit de dire Amen. Souvent, les chrétiens, on est tellement mauvais. On, on dénonce souvent le péché sexuel et on ne présente pas comment le, la, la sexualité, c'est beau, c'est noble, c'est glorieux. Il y a quelque chose de grand là-dedans. Donc, la Bible enseigne que la sexualité bénie de Dieu, il y a trois choses. Prépare-toi, là je te donne la grosse, grosse théologie. Trois choses. Ça ne veut pas dire que tu ne peux pas avoir des relations sexuelles en dehors de ce cadre-là. Je te dis juste, voici ce que la Bible dit. Ça prend trois choses pour une sexualité bénie de Dieu. Ça prend un homme, une femme, un mariage. Donc quand Jésus va dire pour infidélité, enfin le mot, le mot, en, le mot qui est là en grec, c'est pornéa. Pornographie. Est basé sur deux mots, pornéa, qu'on traduit par immoralité et conduite sexuelle en image. Hein, la pornographie, littéralement, c'est l'inconduite sexuelle en image. C'est le mot que Jésus emploie. Donc, Jésus dit qu'il y a un cadre à la sexualité. Je l'ai souvent dit, par exemple, moi, à la maison, j'ai un foyer, j'aime que le feu soit dans le foyer. Maintenant, quand on manque d'électricité, je pourrais mettre la, la, la table de la cuisine en feu. Mettre le divan en feu pour se réchauffer. Mais, encore une fois, la bénédiction, il y a un cadre. Et Jésus dit, encore une fois, tu peux coucher avec qui tu veux. Maintenant, écoute-moi bien, là. Il y a toutes sortes de gens qui sont à l'Église, il y a toutes sortes de gens qui vont écouter ce message-là. Moi, là, je ne suis pas pasteur du Québec. Moi, là, ici, là, je te présente, qu'est-ce que Jésus enseigne? Je parle à des hommes et des femmes qui veulent suivre Jésus, qui ont reçu la bonne nouvelle de la grâce. Donc, les chrétiens, on ne doit pas imposer nos convictions à la culture non chrétienne. Gang, vous êtes là? On ne peut pas imposer notre standard, notre éthique sexuelle. Maintenant, Jésus dit, si quelqu'un veut me suivre, moi, c'est à, à ceux qui disent, oui, moi, 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 ok, tu veux suivre Jésus, je vais te dire, qu'est-ce que Jésus enseigne? Tu ne veux pas suivre Jésus, mon ami, je t'aime, tu peux vivre ta vie comme tu veux, c'est ton choix. Puis il y a des gens ici qui ne sont pas d'accord, qui vont dire, je ne suis pas d'accord avec ce que Jésus dit, puis bien, tu t'obstineras avec Jésus quand tu vas le voir. Si tu le vois un jour. Donc, pornéa. Pornéa est tout ce qui est dans la Bible, qui est tout ce qui est à l'extérieur de ce cadre. Donc, par exemple, tu couches avec ta voisine. Tu dis Ouais, mais une... moi je suis un homme, je suis une femme. Je te rappelle la règle super profonde. Pour ne pas être pornéa, pour être pour un... du sexe à la gloire de Dieu, un homme, une femme. Es-tu marié avec? Non, pornéa. Ça, ah, mais moi, hey, moi, je couche avec ma blonde là, on s'aime. puis, hey, je veux juste voir si on est complémentaires. OK, tu un homme, femme, As tu un mariage, non, tu es un. Mais ben voyons, donc c'est tellement arriéré, mon ami. Ma femme et moi, on n'a pas eu de relation sexuelle avant le mariage, c'est pas parce que j'avais pas le goût. Passant, là, c'est pas parce que moi, je suis mort à ce nord. Mais on le fait de la manière pour glorifier Dieu et c'est possible. C'est possible d'honorer Dieu, il y a une raison. <applause> Puis souvent on me disait mes amis, disaient, oui mais c'est important d'avoir des relations sexuelles pour voir si c'est complémentaire. Ma femme et moi on a notre première relation sexuelle c'était dans notre nuit de noces. C'est quoi Hé, hey, on était complémentaires. <laughs> OK. Je reviens. Donc OK, c'est à la mode les polyamoureux aujourd'hui. Ah, les troubles. OK, mais ben là, on est deux femmes, un homme. C'est quoi la règle? Un homme, une femme, un mariage. Pornéa. L'échangisme. On aime ça, nous autres, échanger. Qu'est-ce okay, c'est correct, échanger. Est-ce que c'est ta femme? Non. Pornéa. « Ah, oh, mais moi, je suis je, 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 je en concubinage, on est ensemble depuis dix ans, puis c'est juste un bout de papier. Tu te dis, hey, on a une maison ensemble, c'est juste un bout de papier. Mon ami, je parle à ceux qui veulent suivre Jésus. C'est le cas, tu es dans une situation comme ça, conjoint de fait, un homme, une femme, il y a -il un mariage, non? Bornéa. Je vais t'expliquer la logique tout à l'heure. Et la Bible dit encore une fois que ce n'est pas tout le monde qui comprend la pornographie. Et tous les péchés n'ont pas le même niveau. Tu dis, ben là, ça, c'est comme moins pire que l'adultère. Okay. Tu es devant ton écran, il y a toi. Tu dis, oui, mais je suis marié. Okay. Où est ta femme? Bornéa. Je dis pas que c'est correct d'écouter de la porno avec ta femme, c'est pas ça que je dis. Mais, un homme. Donc, tu veux, tout ce qui est dans la Bible, le c'est toujours ce qui est à l'extérieur de ce cadre-là. Donc, Jésus définit le mariage comme une union hétérosexuelle monogame. Et en passant, tout à l'heure, quand j'ai parlé, petit mot sur l'homosexualité, des gens qui peuvent s'offenser. As-tu remarqué que je parle beaucoup plus du péché des hétérosexuels que le péché des homosexuels? Donc, souvent on, on, on va cibler des trucs, mais non, Jésus enseigne une logique. Pourquoi? Et voici, on bâtit quelque chose. Il dit, au commencement, Dieu créa l'homme et la femme. Il se passe quoi? L'homme quittera son père et sa mère, va s'attacher à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Jésus enseigne que le mariage est une alliance personnelle, publique et permanente. Personnelle. Premièrement, il quittera son père et sa mère. Parenthèse. Je veux juste que tu comprennes la logique derrière l'enseignement biblique sur le mariage. Tu quittes ton père et ta mère, tu quittes ta famille. Pourquoi Tu te maries pas dans ta famille. Pourquoi Pour protéger le noyau familial. Lorsque tu as un noyau familial, tu ne recherches pas un partenaire sexuel dans la famille pour protéger la famille, pour pas qu'il y ait d'ambiguïté. Tout l'enseignement biblique contre l'inceste à différents niveaux, différents liens. Donc tu quittes ta maison pour trouver un conjoint. Amen. OK. Et ta famille. Maintenant, c'est un engagement personnel. La Bible est contre les mariages forcés. Vous savez, lorsqu'on se marie, c'est toi qui vas avoir le trouble, c'est toi qui dois prendre la décision. C'est une décision personnelle. Dans plusieurs églises et des parents ici, souvent il y a des situations, par exemple, où des jeunes, la, la jeune fille tombe enceinte. Pas ici, là, mais j'ai vu des cas où dans certaines églises, là, on va forcer un mariage pour couvrir les apparences. « On ne répare pas une erreur en faisant une autre erreur. » Parents, ne faites pas ça. Parents, ne forcez pas le mariage sur vos jeunes. L'homme qui est volontairement de lui-même, et là, ça va de les deux côtés, son père et sa mère. Hein, C'est l'histoire de l'homme, le roi qui dit, « Moi, je vais donner ma fille en mariage à, à celui qui va traverser le lac des crocodiles. » Puis au moment où il dit ça, tu entends, pouf, là, tu vois un jeune qui nage, qui nage, qui traverse tout le monde. Oh! « et là, tout le monde est impressionné. Quel homme courageux qui se jette à l'eau pour marier la fille du roi? Puis le roi va le voir, puis il dit Waouh, il dit c est, c est, est Comment tu t'expliques comment ça? Puis le jeune est là, tout. J'ai une chose à dire Qui m'a poussé? <laughs> ne pousse pas quelqu'un dans le mariage. Je peux entendre un à ça? Donc, le mariage est une alliance personnelle, publique. Il s'attachera à sa femme. Le mot attaché, en hébreu, dans l'Ancien Testament, dans Genèse 2, 2 c ça veut dire coller, adhérer. C'est le même mot qu'on utilise pour dire tu t'attacheras à l'Éternel ton Dieu. C'est le mot de l'alliance. Mais là, je va dire que le mariage, c'est la femme de l'alliance. Donc, le mariage est une alliance publique. Parce que dès qu'il y a une alliance, il y a toujours une dimension publique. Pourquoi? Pourquoi c'est important un mariage? C'est pourquoi c'est la différence, notamment avec l'union libre. Pourquoi l'engagement est important? Parce que quand je me suis marié, j'ai dit à tout le monde que c'était la femme avec qui j'étais pour rester pour le meilleur et pour le pire. Je l'ai pas fait en cachette. La cérémonie de mariage, l'alliance publique, c'est une déclaration que j'ai faite à ma famille, à mes amis. Je l'ai faite à mon église. C'est une déclaration que j'ai faite au gouvernement parce que mon état civil a changé. C'est une déclaration que j'ai faite euh, à toutes les femmes autour de dire savez-vous quoi Je suis maintenant un homme marié. Je ne suis plus sur le marché public. Puis en plus, j'ai fait un 25e, j'ai une deuxième bague. Je suis deux fois plus lié, mais ça, c'est un autre sujet. Okay? Non, à vous rien, c'est symbolique. Okay? Juste parce que tout le monde dit, ah, est-ce qu'on doit faire un... Non, non, non. Ce pas renouvelable comme ta location de voiture, le reste avec moi. Okay? Et c'est ça le problème, c'est que tu te dis devant Dieu, devant tout le monde, le problème avec l'Union libre, et je le dis avec respect. Il y a des gens, c'est honorable, ça fait comme 10 ans, 15 ans, 20 ans, tu es avec la même personne, tu as bâti quelque chose, tu as un patrimoine, tu as des enfants, c'est comme, tu as un engagement, tu ne butines pas, tu as comme, il y a quelque chose, tu as une fidélité, mais fais-le au complet. Si tu es, si es un disciple de Jésus, va jusqu'au bout. Si vous êtes chrétien et que votre conjoint, votre conjointe a peur de déclarer publiquement que vous êtes l'homme et la femme de sa vie, pose-toi des questions. Donc, c'est pourquoi... Encore une fois, de le faire, il faut aller jusqu'au bout. Et c'est important de réaliser que le mariage est une alliance spirituelle, mais exprimée par des cérémonies culturelles. Qu'est-ce que je veux dire? OK. Il y a des gens ici, nos cérémonies de mariage étaient très, très différentes. Un mariage africain, c'est pas comme un mariage québécois. Il y en a un qui est plus le fun. Il y en a un qui bouge plus. Ah, un mariage italien, ce n'est pas un mariage asiatique. Donc, pourquoi les cérémonies varient C'est parce que ce qui est important pour la parole de Dieu, ce n'est pas l'expression culturelle, c'est l'alliance spirituelle fondamentale. Un mariage est un mariage. En passant, il y a des gens, avant de venir à Jésus, tu t'es marié musulman, d'autres tu t'es marié juif, les rites varient, les cérémonies varient, d'autres tu t'es marié au palais de justice. Tous les mariages, peu importe dans la religion, que ce soit civil, laïque, c'est toujours un mariage devant le Dieu de la Bible. Amen. Toujours, toujours. Ton mariage au palais de justice n'a pas moins de valeur. Pourquoi? Parce que c'est l'alliance derrière, l'alliance publique qui est fondamentale. Tu arrives ici, on a des cas, des gens qui disent Mais moi, j'ai un mariage coutumier. C'est-à-dire, dans mon village, quelque part, il y a un mariage, mais ce n'est pas un mariage légal. Au Québec, pour vivre la, vraiment ce que la Bible enseigne, un mariage qui n'est pas légal est un mariage qui n'est pas biblique. Ton mariage, il faut que le gouvernement reconnaisse, il faut que tu l'aies déclaré au gouvernement que je suis marié. Donc c'est pourquoi un mariage coutumier et, et pas un mariage biblique. Écoute-moi bien, OK? Un mariage légal n'est pas nécessairement biblique. Il y a toutes sortes de mariages qui ne sont pas bibliques. Mais un mariage biblique doit toujours être légal. Hein, tu te dis, « Non, mais nous, on s'est mariés à Cuba, sur la plage, en maillot de bain, puis c'est le serveur qui nous a unis. » OK, c'est le fun, mais, mais non, ce n'est pas un mariage qui est reconnu. Une alliance doit être officielle. Est-ce que je peux entendre en à ça? Donc, l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. J'aime beaucoup cette histoire. Je sais qu'on est dans un, une époque très sensible où, tu sais, post-colonialisme, mais l'histoire, quand même, elle dit quelque chose. Lorsque Cortés est arrivé, donc les Espagnols sont arrivés en Amérique du Sud, au Mexique, et il y a eu des batailles avec les Aztèques. Puis quand il est arrivé ici, il a fait une chose qui a vraiment changé, changé l'histoire. Il a dit à ses hommes brûlez les bateaux. Pourquoi? Parce que quand tu brûles les bateaux et que la bataille est difficile, tu n'as pas la tentation de retourner en arrière. Tu as une seule place où tu dois aller, c'est par en avant. Le mariage, l'intention biblique de Jésus, de Dieu derrière le mariage, c'est de brûler ton ancienne vie. Parce que quand ça brasse, la seule place où tu vas aller, c'est par en avant. Tu ne peux pas retourner en arrière. C'est l'intention. Et lorsqu'un homme et une femme prennent cet engagement, Dieu fait grâce. Dieu fait grâce. Donc le mariage est une alliance personnelle public et permanente. Et cinquièmement, le but du mariage, je l'ai mentionné, ce n'est pas d'être heureux, épanoui. Le but fondamental du mariage est de servir et glorifier Dieu. Je le rappelle, okay, je le répète. Le but du mariage, c'est de glorifier Dieu, premièrement. Donc, quand tu as une crise, tu as des difficultés, rappelle-toi que le but du mariage, ce n'est pas de rendre ta vie plus facile. C'est de faire en sorte que ta vie soit plus glorieuse. Ça, de quelques fois, on passe par des épreuves, souvent de fois. Quand Adam est dans le jardin, qu'est-ce que Dieu va dire avant la création de la femme? Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Les femmes disent Ah, oh, mais non, oui, ça, c'est vrai, c'est vrai. C'est pas bon. Euh, mon mari, je laisse tout ça, c'est pas bon, c'est pas bon. Puis ça, on a l'impression qu'on parle de solitude relationnelle. Mais ce n'est pas le contexte. Le contexte, c'est que l'homme est mis dans le jardin. Puis la semaine passée, j'ai parlé du jardin pour servir Dieu, glorifier Dieu, prendre soin de la création. Et c'est là que Dieu dit il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il n'est pas bon que l'homme soit seul pour servir Dieu et glorifier Dieu. Donc, en fait, ton, ton mari et ta femme est un instrument entre les mains de Dieu pour t'aider à mieux servir le Seigneur. C'est pourquoi la Bible, je parle toujours à des disciples de Jésus, la Bible dit de se marier dans le Seigneur. Parce que le but fondamental, c'est de glorifier le Seigneur. Et il y a trois bénédictions, trois bénédictions qu'on voit dans la parole de Dieu qui sont le cadre du mariage. Le mariage permet, c'est le cadre béni de Dieu pour l'intimité, pour la sexualité et pour les bébés. Je vais y revenir. Premièrement, l'intimité. Quand tu te maries, tu deviens une seule chair. Donc, c'est quoi? Tu n'as pas de vie, tu as une vie, une famille, une maison, un compte de banque, un Dieu. Nous formons une seule chair. Et le mariage fait quelque chose d'unique où tu développes une intimité avec une autre personne qui est différente de toi et tu développes comme une connexion que seul le mariage permet. Avez-vous remarqué, puis il y a des gens, vous avez plus d'expérience que moi, mais moi, je suis, je suis, mon épouse et moi, on est... Tellement différent, Je okay. Je ferai pas de blague là-dessus. Euh, tellement différent. Mais il y a quelque chose que je trouve des fois comme ça me surprend. Après 24 années de mariage, combien de fois on pense exactement la même chose au même moment. Est-ce que des gens ici ça vous arrive? Ah puis il y a comme une intimité. Il y a quelque chose. Des fois même ça fait peur. Pourquoi? Mais tu développes quelque chose. Puis avez-vous remarqué aussi? Il y a quelque chose dans, dans le mariage une intimité. C'est une relation unique. Un matin, je me lève. Ça m'est arrivé quelques fois, puis je veux le valider dans les couples de l'Église. Je me lève un matin, je suis en train de déjeuner, ma femme est là, puis ma femme est fâchée. Je ne comprends pas pourquoi elle est fâchée. Je dis tu quelque chose La réponse est Non, non. Ça sent le vécu. Puis là, tout à coup, le chat sort du sac. Elle me dit C'est parce que là, j'ai fait un mauvais rêve. là. Puis, c'est quoi le lien avec moi? T'as fait des choses pas correctes. Puis là, je dis, t'es fâché contre moi pour un rêve, alors que moi, je suis innocent et pur comme un ange, je mange ma tosse. Mais voyez-vous comment c'est juste le mariage? Il y a quelque chose de tellement intime. Même un rêve, c'est comme. Il se passe quelque chose. Il y a une intimité. Deuxièmement, j'en ai parlé, sexualité. Je vais juste dire la chose suivante. Tim Keller a dit. Le sexe est la voie désignée par Dieu pour deux personnes de se dire réciproquement l'un à l'autre. Je t'appartiens complètement, permanemment et exclusivement. Pour le chrétien, la sexualité est un rituel, qu'on pourrait dire quelque chose. Et je le dis comme ça, puis peut-être que ça peut être mal compris, mais je vais le dire autrement, il y a quelque chose de spirituel dans l'aspect sexuel. Donc, sans être mystique, il y a quelque chose de profond. Dieu a donné le sexe pour une raison. Et troisièmement, Troisièmement, le, le, le mariage est le cadre pour la famille. Hein, Genèse 1, 27-28, Dieu va dire, il crée l'homme et la femme, il les bénit, il leur dit, soyez féconds, multipliez-vous. Le, le but du mariage, un des buts, c'est justement le cadre de la famille. Deux choses que je vous ai là -dessus. Premièrement, il y a des gens qui luttent avec l'infertilité, des gens qui auraient aimé avoir un enfant, qui ne peuvent pas avoir d'enfant. Ce n'est pas une malédiction personnelle, c'est une grande épreuve, je comprends. L'infertilité et la mortalité périnatale, ce qu'on appelle communément les fausses couches, c'est le fruit d'un monde qui vit sous la condamnation du péché, un monde qui, est, qui est ennemi de Dieu, qui s'est séparé de Dieu, qui a rejeté Dieu. Et c'est de ça que Jésus est venu nous sauver. Donc, il est très sensible, il y a des gens, c'est très souffrant. La Bible nous enseigne que ton identité n'est pas dans ton mariage, ton identité n'est pas dans la maternité, ton identité n'est pas dans la paternité. Et ce n'est pas parce que tu ne peux pas avoir d'enfant qu'il y a un péché personnel. Donc, il faut être très, très, très clair. Et si vous avez des gens autour de vous, qui, qui, c'est leur situation, si vous êtes chrétien, s'il vous plaît, soyez gracieux et appliquez la bonne nouvelle de Jésus plutôt que de condamner par des versets hors contexte. Donc, c'est important, juste parole de consolation pour, pour ceux qui souffrent. À l'autre extrême, il y a un des messages de la culture qui, qui, qui est très dérangeant, qui, qui s'infiltre dans l'Église, où des gens vont dire Mais moi, le des bébés, là, des enfants, j'en veux pas, c'est un paquet de troubles, euh, je veux m'épanouir, j'ai ma carrière. Et ça, ce n'est pas une vision biblique. Les enfants, ce n'est pas un paquet de troubles, c'est un paquet de bénédictions. Amen. Et je reviens à mon propos, c'est qu'en fait, voyez-vous, intimité, sexualité, les bébés, quelquefois, il n'y a pas d'enfants, mais le mariage reste toujours à la gloire de Dieu. Quelquefois, pour différentes raisons, maladies, vieillesse, peu importe, l'aspect sexuel est évacué. Et il y a des couples qui continuent de vivre pour la gloire de Dieu parce que peut-être qu'il n'y a plus d'enfants, peut-être qu'il n'y a pas de sexualité, mais il y a une intimité qui est là à la gloire du Seigneur. Ça, c'est le plus important. Donc, pourquoi le, le, Dieu a donné le mariage comme cadre Vous savez, à 48 ans, je me rappelle, mon, un de mes premiers souvenirs, c'est mon père qui vient me réveiller en plein milieu de la nuit, qui me dit, papa s'en va, je le vois que sa valise. Puis il me dit, papa s'en va, papa, et maman, on ne veut pas habiter ensemble, je m'en vais, en vais vivre ailleurs. Mon père est parti, le lendemain matin, ma mère me regardait et me dit, maintenant, tu es l'homme de la maison. Avec du recul... Je ne suis pas l'homme de la maison. L'homme de la maison est parti de la maison. Pourquoi je le dis? Puis, puis, encore une fois, ne prenez pas mon exhortation au couple marié comme une condamnation pour ceux qui sont séparés. Hein, quand des fois, les pasteurs, on prêche une vérité, on, on apporte quelque chose, puis on, on, on prend l'inverse pour. Il n'y a aucune condamnation dans ce que je dis. Il y a des gens, vous êtes passés par là, maintenant par la grâce de Dieu, vous rebâtissez, vous êtes là, c'est correct. Mais si vous êtes encore marié, que vous luttez, que vous considérez quitter, vous savez, mon épouse et moi, on a eu une période où on s'est posé la question, on ne savait pas si on était pour passer au travers. Au début de notre mariage, c'était extrêmement difficile. Et à un moment donné, je considérais comme, par et d'autre, on réfléchissait, puis je me disais, est-ce que je vais passer au travers? Puis la chose qui m'a regardé là, c'est que je me suis dit, je ne veux pas que mes enfants vivent ce que moi j'ai vécu. Il y a une motivation, et Dieu s'est servi de cette motivation pour amener une transformation et une restauration. Donc, si vous êtes marié encore, tenez bon, Dieu est fidèle. Amen. Et pendant que les musiciens viennent me rejoindre, donc je termine. Donc, je vous enseigne que le mariage n'est pas supérieur au célibat. Le mariage est une institution donnée par Dieu. Jésus définit le mariage comme une union hétérosexuelle monogame. Le mariage est une alliance personnelle, publique, permanente. Le but du mariage est de servir et glorifier Dieu. Et finalement, le mariage est une image de la relation de Jésus avec son Église. Hein, c'est ce que. Jésus va dire quelque chose, puis je ne comprenais pas à un moment donné. Tu sais, moi, moi jamais être marié. Au début, je n'aimais pas ça. Là, j'aime ça. Puis, puis, à un moment donné, Jésus va dire Au ciel, vous n'aurez vous, vous pas d'épouse. Puis, je trouvais ça comme un peu, un peu plate de dire Hé, hey, tu sais, on est marié pendant toute notre vie, puis c'est comme J'aurais aimé ça continuer d'être marié pour l'éternité. Puis pourquoi Jésus, Puis évidemment les relations, je pense qu'il y aura des, des, une relation particulière, spéciale, qui va être même plus glorieuse que ce qu'on pense. Mais pourquoi le mariage humain, c'est juste à ce que la mort nous sépare, ce pas éternel, parce qu'il pointe vers un, 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 une relation plus glorieuse qui est Jésus l'époux avec son Église, l'épouse. Pourquoi on ne sera plus marié Parce qu'on sera aux noces de l'agneau. Donc nos mariages pointent vers quelque chose de glorieux, Il illustrent la relation. De Jésus avec son Église. Nos mariages imparfaits et éphémères, pour employer Piper, donc les mariages, tout mariage est éphémère, reflètent vers cette union éternelle et parfaite de Jésus avec nous. Et quand tu as compris ça, c'est pourquoi Paul va dire dans Éphésiens, il va dire à un moment donné dans Éphésiens 5, euh, 32, je l'avais noté, il va dire qu'il y a un mystère. Quand tu comprends que ton mariage illustre la relation de Jésus avec son Église, tu comprends que, écoute bien, le but du mariage n'est pas de te rendre heureux, mais de te rendre comme Dieu. Le mariage n'est pas un véhicule pour te rendre heureux. Si tu n'es pas heureux seul, si tu n'es pas heureux en Christ, tu seras pas. Une autre personne ne va pas te donner ce que tu n'es pas capable d'avoir en Jésus. Le but du mariage, c'est notre transformation pour la gloire de Dieu. Hein? Quand tu as compris ça, ça veut dire que tu es l'outil de Dieu pour la bénédiction de ton conjoint. À vous tous qui êtes mariés, tu es l'outil de Dieu pour bénir ta femme ou bénir ton mari. Non seulement, il n'y a pas beaucoup d'amens, mais il arrive tranquillement. Amen, amen. Et ça, ce n'était pas le plus raide. Il y en a un autre. Tu es l'outil de Dieu pour la bénédiction de ton conjoint et ton conjoint. Donc, toi, tu es là pour bénir l'autre et l'autre, faut que tu le vois comment ton conjoint est l'outil de Dieu pour ta sanctification. <applause> Aïe. Ça, c'est dit. Ça, ça va bien à l'église le dimanche matin. Mais pas quand tu es en pleine chicane. Quand tu es. Puis il y a des gens, je fais de l'humour, mais des gens, tu souffres dans ta maison. Puis, mais de, de se rappeler que le mariage, fondamentalement, je suis là pour bénir l'autre et l'autre est là pour ma sanctification. Ma sanctification, Dieu se sert de l'autre pour me mettre plus comme Jésus. Je suis honnête avec vous. Okay? Quand une fois de temps en temps, ma femme et moi, on a un argument, je ne la regarde pas les yeux pleins d'amour en disant merci d'être un outil de sanctification pour le Seigneur. <laughs> c'est là, ça ne descend pas là, mais c'est là. Okay? Et, et comment? Comment qu'on peut attacher toutes les ficelles? Comment comprendre la relation pour ce premier message? Il y a un homme qui, dans sa prière, des difficultés conjugales, puis il prie pour son couple. le Seigneur, aide-moi, aide-moi, aide-moi. Puis le Seigneur lui donne une vision. Puis il dit il lui donne une vision, puis il voit une pièce. Dans la pièce, il y a un, un chaudron de ragoût, un, ça sent bon. Puis il y a un homme, et une femme, un couple. Et les deux sont amés, sont, 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 sont maigres, euh, sont malades, fâchés, euh, blingues. Ils ont chacun dans les mains. Une très, très longue cuillère. Puis ils se rendent compte qu'ils peuvent puiser dans le ragoût, mais sont incapables de l'amener à leur bouche. Donc, les deux sont en train de mourir de faim. Et Dieu lui dit Voici, ça, c'est l'image de ton couple présentement. il dit Je vais te montrer autre chose. Il lui montre une situation similaire, un couple différent, où tu as le même ragoût. Un homme et une femme, les mêmes cuillères, mais sont bien portants il le teint, il rit. L'homme dit, mais c'est quoi la différence? Et Dieu dit, la différence, c'est qu'ils ont compris que pour survivre, ils doivent se nourrir l'un et l'autre. Si j'ai une parole de sagesse à semer au début de cette série, si tu as compris ça, tu as tout compris. Si tu veux survivre, si tu veux que ton couple survive, la seule manière, c'est de comprendre que le plan de Dieu, c'est que tu puisses nourrir l'autre et que l'autre te nourrisse. Mais le problème, c'est quoi? Le problème, c'est que souvent, l'autre ne répond pas à nos besoins. Et c'est extrêmement difficile d'avoir l'abnégation nécessaire de combler les besoins de l'autre quand l'autre ne compte pas nos besoins. Et c'est là qu'on entre dans un cercle vicieux. Maintenant, je m'adresse, je sais qu'il y a des non-chrétiens ici, mais cet enseignement s'adresse à des chrétiens qui ont Jésus. Plusieurs couples, vous souffrez parce que vous êtes dans cette dynamique, dans ce cercle vicieux où l'autre ne répond pas à vos besoins, vous ne répondez pas à ses besoins et tout le monde est en train de mourir de faim. Maintenant, si toi, tu es un disciple de Jésus, tu as quelque chose que le monde n'a pas, tu as le Saint-Esprit en toi. La grâce de Dieu, les chrétiens, on a accès, vous savez, on n'est pas meilleur, mais on a accès à des ressources spirituelles, divines, miraculeuses, surnaturelles. C'est ça la différence entre les couples chrétiens et les couples non chrétiens. Nous connaissons le Dieu qui peut changer les cœurs. Nous connaissons le Dieu qui peut faire ce qu'aucun thérapeute ne peut faire. Donc, ma prière pour toi, c'est que tu puisses, si tu es dans ce genre de mariage et que tu souffres, que tu réalises que tu ne passeras pas, vous ne passerez pas au travers tant et aussi longtemps qu'il n'y en a pas un qui commence à nourrir l'autre. Et quelquefois, vous savez, la grâce va déclencher quelque chose. Pas toujours, mais souvent, souvent. Et c'est pourquoi nos mariages est un reflet de ce que Jésus fait, comment Jésus traite avec nous sur la base de la grâce. Le secret du mariage, c'est de traiter l'autre non pas comme il mérite, mais de le traiter avec grâce. Et si vous êtes chrétien, ce n'est pas charnel. Dieu va vous donner la force de le faire. Et Dieu a la capacité de changer le cœur de votre femme, de votre mari. Et rappelez-vous que Dieu se bat pour votre mariage beaucoup plus que vous. C'est Dieu qui vous a unis. Et Dieu protège qui l'a unis. Est-ce que je peux entendre Amen? C'est la parole de Dieu pour ce matin. Levons-nous. Seigneur, merci encore une fois pour ta parole. Seigneur, je te prie pour les frères et les sœurs qui sont ici. Premièrement, je prie pour ceux qui sont célibataires. Seigneur, certains sont, sont bien dans le célibat. Merci. Tu les portes, tu leur fais grâce. Et merci de nous rappeler que ce n'est pas un homme, une femme qui compte nos, nos, nos besoins les plus profonds, c'est toi. Notre identité est en toi. Seigneur, je prie pour des, des hommes et des femmes qui veulent glorifier Dieu dans leur mariage, qui sont célibataires. Je te prie d'amener un homme de Dieu, une femme de Dieu, afin qu'ils se marient dans le Seigneur. Seigneur, merci pour tous ces, ces frères et ces sœurs qui n'abaissent pas leur standard, qui portent leur croix. Merci pour eux. Seigneur, je prie pour les autres situations, je prie pour des gens qui peut-être viennent à Jésus et des situations qui, des hommes et des femmes qui sont là, qui réalisent union de fait, qui sont déjà engagés. Seigneur, je te prie que tu leur donnes la grâce. Seigneur, de, de terminer le chemin. Et déjà leur réalité privée, qu'ils qu puissent la déclarer publiquement devant les hommes, devant toi, devant tous. Ils puissent avoir un engagement à ta gloire. Et avec l'engagement, tu es le Dieu qui, qui fait grâce, qui porte. Comme a dit Bonhoeffer, ce n'est pas notre amour qui soutient le mariage, c'est le mariage qui soutient notre amour. Donc, je te prie. Alors que je suis d'avoir abordé des thèmes qui sont souffrants, des pardons, il y a des péchés, il y a toutes sortes de choses. Seigneur, je te prie de tout couvrir par ta grâce et donne la capacité à celui et celle qui veut suivre Jésus de le faire, donne, donne la capacité de mettre, de redresser ce qui doit être redressé, et donne le courage de faire ce qui doit être fait, et qu'ils puissent sentir que tu les portes et que tu les bénis. Seigneur, en terminant, merci pour, pour tous ces couples qui s'engagent, plusieurs, pendant plusieurs années, dans les bons comme dans les mauvais jours, dans la santé comme dans la maladie, dans la pauvreté comme dans la richesse. Merci. Parce que plusieurs couples, Seigneur, qui sont une inspiration, qui sont des témoignages pour nous tous. Et en terminant, je prie pour nos frères et nos sœurs qui, qui sont dans une dynamique conjugale, dans une crise conjugale. Seigneur, je prie que tu donnes, que tu donnes la capacité de pardonner, que tu donnes la grâce, que tu donnes la puissance du Saint-Esprit, que tu donnes le renoncement de, 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 de nourrir l'autre, de combler l'autre par l'esprit, non marcher par la chair, mais marcher par l'esprit. Et je te prie que cette série soit une occasion d'encouragement, de, d'instruction, de guérison et de restauration, tout ça pour la gloire de ton Saint-Nom. Père, on te prie dans le nom de Jésus. Et ceux qui sont d'accord disent un grand et un fort. Amen, amen et amen.